Thank you.
Ha 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 ha
moquez de moi? Où sont les 46 kilos de savon que j'ai commandé? Ordre de Washington, monsieur Peabody, faut faire des économies. Ce n'est pas encore ce mois-ci que nos pensionnaires vont se laver. Ouais! Oh, c'est très ennuyeux. J'ai une idée! Si j'organisais un atelier fabrication de savonnettes, les prisonniers pourraient faire eux-mêmes leur savon et donc se laver. Parfait! Et moi, je vais chercher comment lutter contre la crisitude. Pour faire du savon, il faut du pain, du pain... Quoi? Du parmesan? Non, Avrel, du parfum! Il faut aussi de la soude et un corps gras. L'huile des frites de la cantine fera l'affaire. Tiens, le livre précise que le savon est assez proche de certains explosifs, comme la nitroglycérine. Oups! Ce n'est pas le sujet. Explosif! Ça va tout péter! Enfin libre! Bon, on se concentre et on fabrique un max de savonnettes. Compris? Je vous expliquerai. C'est très bien, Joe. Elles sont bonnes, ces savonnettes. Elles ont un goût de frites. Arrête de buller, boss. Je veux un maximum de savonnettes. On les embarquera en fin de journée, ni vu ni connu. Plus, plus. Pourquoi faut-il toujours en avoir plus et encore plus? Tiens, il parle dans des bulles. C'est sûrement un personnage de bande dessinée. Faites gaffe, ça peut péter à tout instant. T'es sûr? C'est que du savon. Tais-toi! Moi, je dis que ça va péter. Et pas plus tard que cette nuit. Normalement, il devrait y avoir des choses écrites dans les bulles. Prêt? Oh, mais pourquoi ça pète pas? À mon avis, il manque un ingrédient pour que ce soit de la nitroglycérine. Mais lequel, ça? On peut demander à Sam, c'est un crack en explosif, lui. Sam le meille? Si je fais aussi des bulles, on va pouvoir discuter tous les deux. Oh, oh, oui, c'est papa, c'est papa... C'est papa quoi? Non, c'est pas con, c'est pas con-con. C'est pas con-con quoi? Pas compliqué, juste un peu long. Laisse tomber, Sam, on n'a pas le temps, hein. On est là que pour 728 ans. Merci quand même. De rien. On va faire autrement. Cette nuit, on va aller piquer le livre de Miss Betty. Il y a sûrement la solution dedans. Oh, arrête ça tout de suite! Ah, voilà! Pour faire de la nitroglycérine, ajoutez au savon 16% de benzotrichlorethylazomiase d'Arménie. Et où on va trouver ça? T'as mangé un feu d'artifice ou quoi, Avrel? Oh ben non, juste du salami, des patates au lard, un cassoulet, 6 choucroutes, un piment Big Boom, 12 cuisses de poulet. Et quelques savonnettes. C'est le piment, je crois. Ça fait un drôle de mélange avec les savonnettes. Avrel, t'es un génie! Vous voyez ce que je vois? On l'a, l'ingrédient manquant! Mélangé au piment, le savon devient explosif dans Avrel. J'espère que t'as l'estomac bien accroché. Ouvre la bouche. Tu vas voir, tu vas t'éclater. Vite! À la porte! Retiens-toi! Ils explosent pas. Pourquoi ils explosent pas? C'est peut-être des bulles à retardement. Faut coincer la bulle contre la porte. Ah!
Ah, et dans les bandes dessinées, il y a souvent des gens qui volent. C'est pas ce que j'avais prévu, mais on s'en fiche. On est libre. Oh, 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 la marée monte. Les Dalton, c'est pas l'heure du bain moussant, on n'est pas au club ici. C'est formidable! Notre pénitencier a remporté le premier prix de propreté. Nos crédits sont doublés et c'est grâce à vous, les Dalton. Quand je pense qu'il va encore falloir buller ici pendant des années. Oh! Allons, Joe, ne prenez pas la mousse. La mouche. La mousse. Ah, quelle drôlité. Maman, on n'a pas besoin de baguettes magiques au restaurant. Oh. Tom, ton crapaud a encore effrayé Candice. Quand on a un animal aussi hideux, on le met en cage. Hideux? Moi qui séduisais jadis la fine fleur de l'aristocratie. Quelle ignominie! Nous saoule pas avec ton passé où on t'achète une muselière en plus de ta cage. Laisse-le tranquille, Tata. Tu crois que c'est facile de vivre dans la peau d'un crapaud? Oh, ça se voit à peine. Et puis, c'est surtout la beauté intérieure qui compte. Une bonne louche de caviar me remontera le moral. Allons, monseigneur. Tu sais bien ce qui se passe quand on t'emmène dehors. Ne sois pas triste et je t'apporterai mon dessert. À tout à l'heure. Les cuisses de grenouille, vous... Ce château mignon a ému 3 millions de personnes en 2 jours. C'est sûr que si j'avais été transformé en chaton plutôt qu'en crapaud, la vie aurait été bien plus facile. Chérie, viens voir. Ouh, qu'est-ce qu'il est mignon! Viens dire bonjour à Papa Loup-Bert. Gilly, 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 gilly. Gilly, gilly. Créature maléfique, le chat, c'est la seule bestiole qu'une sorcière peut blairer. Et insolent avec ça. Oh, j'adore. Pour votre gouverne, j'ai décidé de changer de look. Monseigneur, c'est toi? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Les humains n'aiment que les animaux mignons, alors je m'adapte. Mais moi, je m'en fiche que tu sois mignon ou pas, je t'aime comme tu es. Avoue qu'il gagne au change, Tom. Vava, il faut dire que tu partais de loin. C'est fou comme ça amincit ta silhouette. Ouais, ben chat ou pas, comptez pas sur moi pour faire des mamours à mon seigneur. Il est mignon, le minou-minou. Oh, craquant. Je t'aime. Moi aussi. C'est fou ce qu'on a comme point commun. Dans le sens du poil, le brossage. Faut tout dire, ma parole. Voilà, mon tout beau. Les croquettes au caviar que tu as commandées. Pas trop tôt. J'ai failli attendre. Non, mais pour qui tu te prends, espèce de... Oh. Tu veux
pas qu'on te masse les coussinets pendant que tu y es. Excellente idée. Rien n'est trop bon quand on est beau. Je m'en occupe. Après, je lui ferai les griffes. Ma modestie dut-elle en souffrir? Je plais beaucoup, dirait-on. On le saura que t'es beau, c'est pas une raison pour faire ta star. Bonté divine, quel ébouriffant fait l'idée. Il est à vous, jeune homme? A-t-il un pédigré? Bah non, c'est juste un chat de gouttière très prétentieux. Bilvesée, ce regard noble, cette stupéfiante expressivité sont loin d'être banales et je m'y connais. Je photographie les chats d'exception et le vôtre m'intéresse. Voici ma carte. Taxi! Quel parfum envoûtant! Quelle exquise distinction! Bon, on y va, Sa Majesté. Je te signale que ta litière premier choix pèse une tonne! Oh, ce que tu peux être désagréable! Serais-tu jaloux de ma popularité? N'importe quoi! C'est toi qui es insupportable depuis que t'es un beau chat! Miaou! Princesse Oriane de la Palétuvière! Oh. Oh. Une véritable princesse! C'est l'occasion de redevenir humain! À condition qu'elle t'embrasse en crapaud, ce qui est pas gagné! C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Tu me dois bien ça après tout ce que j'ai fait pour toi. Et moi alors? J'ai toujours pris ta défense. Je te bichonne comme un prince. Je te laisse même gagner au ping-pong quand t'es triste. Je sais bien que tu as toujours été un ami loyal et fidèle. Sois-en vivement remercié. Et devine quoi, petit vénard? Tu vas encore avoir l'occasion de le prouver. Elle est pas belle, la vie? Je récapitule. Tu dis à la princesse qu'on vient pour les photos. Quand elle s'apprête à m'embrasser, au moment où elle ferme les yeux, tu me transformes en crapaud. Elle m'embrasse, je me transforme en prince, je l'embrasse. Et, enfin bref, tu as compris le principe. Te voilà, toi. Je sens que je vais faire de très belles photos de ta jolie frimousse. C'est drôlement beau chez vous, madame. Je n'aime que la beauté, la laideur m'horripile. C'est pour ça que je suis folle des félins, les seigneurs du règne animal. Vous pouvez embrasser mon seigneur si vous voulez. Il adore ça. Alors... il aime les baisers, le gentil minou. Suis-je sotte? Je ne puis. Je vais le salir avec mon rouge à lèvres. Au contraire, ça lui fera un souvenir. Il vous aime beaucoup, vous savez. Allô, très cher. Quelle exquise surprise. Hélas, je suis occupée. Oui, je te rappelle plus tard, bye. Où en étais-je? Il réclame son baiser. Il est d'un craquant. Encore une interruption et je la griffe. Oui? Voici vos clichés de la semaine dernière, madame. Merci. Vous avez dépassé le nombre autorisé de transformations animalières. Veuillez réessayer demain. Oh, c'est fini! Encore une fois, le destin m'accable. Je suis désolée, monseigneur. Quel coquin, ce chat! Il a la manie de se cacher! Où es-tu, petit fripon? Ah!
Quelle horreur! D'où vient ce repoussant batracien? Jeune homme, si c'est une farce, elle est de fort mauvais goût. Le mauvais goût, madame, c'est de juger en fonction du physique. Le mauvais goût, c'est aussi de croire que certains sont supérieurs aux autres. Permettez-moi de prendre congé avec mon ami qui, lui, m'aime pour ce que je suis. Excusez-le, princesse. Depuis qu'il a mangé un perroquet, il parle à tort et à travers. T'es un 3. Tu me laisses aussi gagner la revanche. J'ai besoin de trucs consolés. Alors, ta mocheté, on a retrouvé sa face de petit pois. Je te préviens, la crevette. La prochaine fois que je trouve des poils de perruque sur ma brosse, je donne ton crapaud à la SPA. Il est mignon. Eh oui, voilà ce que c'est que de se fier aux apparences. Un matin apparemment tranquille au camp. Pourtant, il se passe quelque chose d'étrange. Malik et Brian ont disparu. Ont-ils été attaqués par des plantes carnivores? Kidnappés par un vilain castor? Encore plus grave que ça, une panne d'oreiller. Allez, les marmottes. Mignons vos pyjamas, les gars. Ouais, je sais, les filles adorent. Brian ronflait tellement fort qu'on n'a pas entendu le réveil. Fais gaffe, mec, tu perds ton mouchoir. C'est pas mon... Ah, si, mon mouchoir, merci. Bon, j'ai une de ces fins, moi. Tu peux me passer un croissant, s'il te plaît, Lisa? À votre service, Majesté. Les déchets recyclables dans le bac vert. Les déchets pour le compost dans... Le broyeur jaune, on sait. Le tri, j'assure. Moi aussi, je peux le faire. Les vitamines, c'est très bon pour la peau, vous savez. C'est horrible. T'en fais pas, c'est qu'un mouchoir. Mais... Ouais. T'as raison. Aujourd'hui, cueillette insolite. Vous allez voir, on trouve des choses formidables dans la nature. Hé, les filles, calmos. Les petites bêtes mangent pas les grosses. Tu trouves qu'on est grosses? Laissez tomber. Top départ. C'est celui qui fait la meilleure trouvaille qui gagne. Hé, Malik, tu viens avec nous? Non, merci. Je préfère rester tout seul. C'est pas lui, ça. Adieu, fidèle compagnon. Comment je vais faire sans doudou? J'ai trop pas de bol. Mystère résolu. Le mouchoir de Malik, c'était son doudou. Squeak? T'es doux. Et tu sens bon. J'ai trouvé mon nouveau doudou. Hé, hey, pars pas. Bah, qu'est-ce que vous faites là? On cherchait Squeak. C'est pas bien de partir sans prévenir. Ah, petit coquin. Oh, faut pas traîner, hein. Annette va bientôt sonner le regroupement. Ah!
problème, Malik? Non, rien. J'arrive. Tadam! Cool, non? Existe aussi en blonde. Génial! Et vous, les jumelles? Un fils de chez Palacia Bling Bling. Et vous l'avez trouvé dans la forêt? Carrément pas! C'était un cadeau avec le magazine Top Girl. Pourquoi pas? Et toi, Malik? Wow! C'est mignon! Ah là là. Fais voir! Hey. On dirait de la soie. Ou une toile d'araignée. Et ça sent bon. Le caramel et la mousse. Caramel et mousse, ça me dit quelque chose? C'est une très belle trouvaille. Félicitations. À l'abordage, moussaillon! On va tailler en pièces ces pirates de pacotille! Hey, non! C'est à moi! Ouh là là! Ça sent l'orage! On rentre! Mouais. Un orage. Pas sûr. Alors, caramel, caramel. Yes! Écoute ça, Matt. Caramel et mousse, c'est l'odeur du flap à chat. Alors, le tissu est à lui. Malik a trouvé l'écharpe du flap à chat. Oui, et il nous fait bien comprendre qu'il veut la récupérer. Je propose qu'on en parle à Malik. Ça va, les amis? Il fait beau, hein? On dirait pas que l'orage vient de tomber dessus. C'est pas le tonnerre qui gronde, c'est le flap à chat qui s'énerve. Vraiment? C'est quoi son problème? Ça va pas te plaire. Il veut l'écharpe que tu lui as empruntée. Comment tu sais ça, d'abord? C'est moi qui l'ai trouvée, donc c'est mon écharpe. Sérieux? Tous les indices concordent. On va être obligé de lui rendre, sinon il va piquer une crise. N'importe quoi! Il est pas comme ça, le flap à chat. Il s'énerve jamais! On passe au plan B. Je t'assure, c'est le flap à chat, là, derrière ce buisson. Mais c'est pas dangereux? Si tu dis qu'il est en colère... Mais non, t'inquiète. Je crois qu'il veut juste nous dire un truc. Bonjour, les enfants. Bonjour, flap à chat. Oui, c'est bien moi. Dites, les gars, vous auriez pas vu mon foulard? Non, parce que si je coince le petit saligo qui me l'a piqué, je peux vous dire que ça va Aïe! Mais t'es dingue! Tu vas lui faire peur! Oula, c'est grave, t'as vu? Oh, il est tombé malade à force de se balader sans son écharpe. Il a l'air de souffrir, le pauvre. Ouais, ouais, il y a un truc louche là-dessous. Attends, pas trop près, sinon tu vas l'effrayer! C'est vraiment pas drôle comme blague! De toute façon, j'avais tout deviné depuis le début! Je suis pas un bébé! Bien joué, Brian! Ouais, j'ai vu que tout le monde paniquait, j'ai préféré intervenir. Les enfants! Je ne vous cache pas que les bruits étranges qui perturbent le camp nous inquiètent. Il s'agit certainement d'une bête féroce sur le point d'attaquer. Mais n'ayez crainte, ce monstre devra d'abord me passer sur le corps. Merci de votre dévouement, Hippolyte. Mais je me demande si ce ne serait pas plus prudent de quitter le camp. Je vote pour la fin des vacances. Moi aussi. Quoi? Oh, désolé, les enfants. Préparez vos bagages, nous partons dans une heure. Tu te sens pas responsable, là? T'es vraiment lourd, Brian! J'ai même pas eu le temps de prendre le flap à chat en photo. Malik,
Je sais que cette écharpe, c'est comme un doudou pour toi. Mais tu devrais la rendre avant de partir. J'enregistre, ça me fera un souvenir. Sois pas triste, Squeak. On reviendra l'année prochaine. Enfin, peut-être. Attendez. Faites attention, c'est fragile. Ne vous inquiétez pas, j'en ai suffisamment dans les autres pour refaire mon jardin en ville. Je vois. Oh, Hippolyte, quel dommage de devoir partir si tôt. Cet endroit est tout à fait paradisiaque, n'est-ce pas? Certes, certes. Vous savez, j'ai bien pensé affronter cette bête au corps à corps, mais... Ah! Elle arrive! Ah! C'est quelque chose aux villes! Squeak! Te voilà, petit pirate! Quelle voix! Tu nous as fait peur! Absolument pas! Il nous en faut plus, jeune homme! C'est donc ça, notre grosse bête? Bah, faut croire. Oula! Oui! Il a un sacré flapache... un chat dans la gorge! Merveilleux! Évacuation annulée! Hippolyte, vous pouvez ramener la terre dans le jardin. Aïe, 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 c'est de pire en pire. Je vous laisse, il faut aller soigner ça. Et Malik, c'est cool d'avoir accepté de rendre l'écharpe du Flapacha. Tu sais, je préfère perdre un doudou plutôt que mes vrais amis. Chut, taisez-vous, sinon il viendra jamais la récupérer. C'est lui! Excuse-moi, j'avais oublié. Vous trouvez pas que ça sent... la mousse et le caramel? Mon doudou! Ah non! On s'est fait avoir comme des bleus. Tiens, bébé, doudou est revenu à la maison. Tu peux le garder, j'en ai plus besoin. Je crois que j'ai passé un cap, tu vois. Bien envoyé, Malik. Youhou!